lancement, donc c'est les 26. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le troisième épisode de Tomb Raider Legend. Donc on s'était retrouvé ici et on faisait le passé de Lara, d'après ce que j'ai compris. Sauf que la corde avait cassé et du coup voilà. Les planches au-dessus de la crevasse sont brisées. Il va falloir te balancer de l'autre côté. Merde, tu fais de la merde. Donc ouais, j'ai pas trop compris là. Ah oui. T'es à la traîne. Et toi, une touriste pressée. Qu'est-ce qui se passe? Amanda! Amanda! Oh. Tu m'entends? Amanda! Faut que je passe par où maintenant? On va par là. Oh, Sarah! Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte? D'accord. Il n'y a pas beaucoup de sang, hein. Excusez-moi. Wow, j'ai flippé ma race. Par contre, ouais. Peut-être que je prenne ça. I'm sorry, Sarah, mais je vais peut-être te bousculer un peu. Pas trop ce qu'il va faire, hein. Je vous... Ah ouais, non. Ah si, attendez, j'ai peut-être compris. Qu'est-ce que tu fais là, putain? Ah ouais, par contre, je suis un peu du mauvais sens. Je suis un petit peu paumé là, je vous l'avoue. Mais comment on y va? Au revoir. Je m'en vais. Parce que là, ça marchera pas. Putain, j'ai pas le truc d'indice là. Comme dans Tomb Raider 2013. Je suis obligée de faire ça, non? Non, là, je suis... Pour moi, c'est... Fallait faire ça, là. Ah bah voilà. On est d'accord, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Bref. Oh, non! Lara! Par ici! Quel
Trent ? Qu'est-ce qui se passe ? Oscar est mort. Qu'est-ce qui... Je sais pas, j'ai rien vu. Cette porte ne peut pas bouger, sors-moi de là ! Calme-toi, est-ce que... Il y a un trou au-dessus de moi, il faut me sortir de là ! Vite ! Il faut qu'on parte d'ici ! Si je l'emmène de l'autre côté, vite, Lara, la chose va revenir! Pas de panique! J'arrive! 2 minutes. Non, faut pas faire ça. Attends. Parce que là, je suis pas mère. Ça marche pas ce truc. Alors là je suis paumée là. Putain, ça me saoule quand ça fait ça. Dépêche-toi, Lara! J'y suis presque! Hé, je crois que je vois de la lumière! Ne bouge pas, Kent! Je descends! Amanda? Amanda! Kent! C'est elle! Attends! Kent! Kent! What the fuck? Putain, faut que je fasse quoi? Ok, le truc sert à rien. Ça me stresse. Allez. Ah ouais, du coup, je peux faire ça. Lara, Jason est mort. Ils sont tous morts. Cette chose, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. C'est what the fuck, on est d'accord. Enfin, je sais pas, pour moi c'est what the fuck. Hein. Le jour où je rencontre un monstre comme ça, je me demande ce qui se passe. Je m'en vais très loin. Amanda ! Je crois que cette pierre ouvre la porte !
Je n'aime pas ça. Tu es vraiment sûre de ton coup? Cette chose approche. T'as une meilleure idée? Et si la porte est piégée? On est piégés! Oh non! D'accord, voilà pourquoi ils disent qu'elle est morte. Je vois pas pourquoi elle aurait... Comment elle aurait survécu. Je me demande... Si tu veux mon avis, je trouve que c'est une très mauvaise idée. On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Mais si j'en crois Rutland, il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller. Inutile d'espérer passer par le même endroit. C'est bloqué. La rivière a trouvé un chemin, elle. Je te laisse résoudre ce mystère. Moi, je n'y vais pas. Désolée. C'est bon, vraiment. En cas de problème, appelle Zip et il fera suivre. Ne prends aucun risque. Je ne veux plus perdre mes amis. Alors, comment tu vas entrer? Je vais suivre le même chemin que l'eau. Si jamais Anaya t'appelle, passe-la-moi tout de suite, d'accord? Je suis inquiète depuis que je l'ai laissée toute seule. Je lui tiendrai compagnie. Je repassais par là? Attendez, il y a un trésor. Si je meurs, c'est normal. Je n'arrive jamais. Ah, c'est bon, elle est pas morte. Par contre, ouais. J'ai réussi.
C'était à Amanda. Une basket, ça se perd pas comme ça? On l'a délacée. Jamais je n'aurais cru qu'elle ait pu survivre. Ce n'est peut-être pas le cas. Il y avait quand même beaucoup d'eau. Ouais, bon. Il est question de la dernière reine de Tiwanaku. Fille du roi, elle fut perdue et élevée par un guerrier. Elle devint reine lorsqu'un chaman du nom de Tunupa découvrit son ascendance. Tunupa est l'un des noms de Viracocha, leur dieu créateur. Le chaman l'amena au lac Titicaca, où elle emprunta son bâton, un objet de grande puissance. D'après le mythe, Viracocha vivait à l'origine dans le lac. Le dieu des salles de bain, quoi. Elle guida son peuple vers une ère de paix. Mais après des années de règne juste et sage, une lutte pour le pouvoir éclata. Elle mourut peu après et fut emmenée au paradis dans un bateau. Ça te rappelle quelque chose? Le mythe du roi Arthur, oui. Les similitudes sont frappantes. Le roi Arthur? Quel est le rapport? C'est la même histoire. Un jeune homme ignorant de son lignage sort de l'anonymat et devient un roi sage grâce à un mage bienveillant et à son bâton ou son épée, pour finalement être emmené au paradis. Bien des cultures partagent leurs légendes. Le déluge, par exemple, c'est un thème récurrent. Pas mal. Mais non, mais... C'est pas possible, c'est pas possible. Non, c'était pas ça du tout. Va te peindre. J'étais en mode nia, roulade de clavier. Oh, jolie jeune jambe. Merci bien. Waouh, c'est vraiment incroyable. Ça sera un bon endroit pour essayer tes jumelles MAD. Tu as raison. Je t'ai dit quoi? Bon, en fait, ça me saoule. Du coup... En fait, je sais pas trop ce que ça fait. Waouh! Ça devait sacrément impressionner les villageois. Moi, ça m'impressionne. Merde, je me suis fait mal. On va essayer de l'autre côté en fait. Parce que là je peux monter. Et du coup je peux mettre l'autre, du coup c'est la folie. Non, mais t'es sérieux. Je vais la tuer. Ce n'est pas possible d'être aussi conne.
La meuf, elle peut faire plein de trucs, tu vois, mais genre sauter en haut du truc, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, ma chérie. Attendez, je regardais quand même la hauteur, parce que peut-être que c'est moi qui ai cru, mais non. Attendez. Regarde. Ça devait sacrément impressionner les villageois. Trop loin. Moi, ça m'impressionne. Moi, ça m'impressionne. Je redescends, c'est normal. Mais je voulais pas faire ça en plus. Je vais vraiment péter un câble. Je voulais pas faire ça, sérieux. En plus. Non, mais je voulais. Non, je voulais pas faire ça. Le chaman de la reine. Okay. Une épée ou ici le bâton de Viracocha, planté dans un socle. C'est bien ça. Tu crois que c'est le même que celui de Tiwanaku? Il doit en exister plus d'un, mais c'est possible. Donc le chaman c'est Merlin, et le bâton c'est l'épée d'Arthur, dont j'ai oublié le nom. C'est une coïncidence. Excalibur. Donnez-nous une épée. Il est nul, hein. Dites-le dans les commentaires qu'il est nul. Bon, là, j'arrête de faire des conneries. Ça devait sacrément impressionner les villageois. Moi, ça m'impressionne. Parce que sinon, ça ne va pas trop le faire. Allez, de l'autre côté cette fois. Non, mais je veux pas tomber avec la boule. De mourir, hein, petit être maléfique. Non mais tu te calmes déjà. Je pense que c'est de l'autre côté. Non mais, sale boule. Sauf que je peux pas monter là-haut en fait. C'est que je comprends pas. Il y a une boule, sérieux. Elle est où la boule? Voilà, ça marche pas parce que voilà. Je comprends pas, il y a un bug, non? J'ai compris. Ah non, je sais en fait. C'est bon, elle va pas mourir là. Pourquoi j'ai fait ça?
pour le clouage et fais ça. Je fais. Bon, écoutez, on va se laisser ici. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mercredi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, prenez soin de vous et puis bye bye.